plan de travail, étaler la pâte feuilletée sur 2 mm d'épaisseur, la poser sur la plaque du four et détailler les fonds de tarte à l'aide d'un cercle. Recouvrir d'un papier sulfurisé et d'une autre plaque. Toujours, quand on fait une pâte chez soi, que ce soit du feuilletage, une pâte sablée, une pâte brisée, n'importe quelle pâte, il faut toujours les laisser reposer, donc au réfrigérateur. Voilà. Couper les tomates mondées en quartier, retirer les graines et les réserver au réfrigérateur. Fendre les avocats en deux et les tailler en fines tranches. Découper la mozzarella en tranches fines. Monter la crème liquide. Ajouter la tapenade, mélanger, poivrer et réserver. Mettre le restant de tapenade dans un saladier, ajouter le jus d'un demi-citron, les cuillères d'eau, l'huile d'olive, saler et poivrer. Enfourner le feuilletage pendant 20 minutes à 180 degrés. Couper le thon en fines tranches. Disposez les cercles sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Ajoutez un filet d'huile d'olive et rangez les escalopes de thon, poivrez, salez et finir avec un filet d'huile d'olive. Retirez le feuilletage du four et le laissez refroidir à température ambiante. Enfournez les escalopes de thon 2 minutes à 180 degrés. Juste le temps de les colorer. Garnir le feuilletage de crème à la tapenade, de quartier de tomate, assaisonner, recouvrir des fines tranches d'avocat, assaisonner, couvrir de tranches de mozzarella, des escalopes de thon mi-cuites, saler à la fleur de Camargue et finir avec un cordon de vinaigrette à la tapenade. Tarte au thon frais et tapenade. Pour 4 personnes, 600 g de thon rouge, une mozzarella, 3 tomates, 2 avocats, un citron jaune, 80 g de tapenade, 300 g de pâte feuilletée, 100 g de crème liquide, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel fin, de la fleur de sel de Camargue et du poivre du moulin.